Salut, Vlogmas numéro 17. On se retrouve pour un nouveau Vlogmas. Vous l'aurez vu hier, j'ai pas vlogué. Je vous ai posté un petit haul. Ça m'a permis hein, également de me reposer. Hier, j'étais mais chaos technique. Donc voilà, enfin, quand je vous dis je vous ai posté un haul, au moment là où je vous parle, je ne l'ai pas encore posté, je n'ai même pas les éléments. C'est-à-dire que là, j'ai dans l'idée d'aller chez Noz. Pourquoi Noz? Parce qu'à chaque fois, je suis bluffée. Tu trouves des marques quand même de qualité qui coûtent parfois un bras, que tu peux avoir à 50, à 70%. Alors on est d'accord, faut fouiller hein, à fond. Et j'ai dans l'idée de vous faire, je vous dis, hein, j'anticipe, un haul spécial pépite. Ça se trouve, ça va être tout pourri, je vais rien trouver. Je prends un risque. Mais d'abord, je voudrais essayer le baume que vous attendez, Elisabeth Arden. Et ensuite, peut-être au retour plus tôt, on ouvrira du coup deux cases du calendrier. Ce petit baume, il est assez foncé d'ailleurs, hein. Très très agréable, faut que je vois l'évolution au cours de la journée. Je vais vous montrer mieux. Et bah moi j'aime beaucoup. En tout cas au niveau confort, ça le fait. Au niveau coloris, ça passe aussi. J'y vais. Je vais chez Noz. J'ai l'impression qu'on se rend mieux compte ici, non? Du rendu rouge à lèvres. Bon, en tout cas, moi je vois mieux. Voilà, je suis prête. Je file. J'étais en train de me poser la question, parce qu'il est quand même midi moins 3. J'espère que ça ouvre entre midi et 2. Première question, est-ce que c'est ouvert lundi? Et ensuite, est-ce que c'est ouvert entre midi et 2? Eh ben, on va vite le savoir. Pour l'instant, le rouge à lèvres est plutôt très bien et il reste très hydratant. C'est vraiment ce que je recherche. Attention. Ouais, c'est déjà ouvert. Je suis rentrée, vous l'aurez vu, j'ai pas du tout pu vlogger. Il y avait de la musique tout le temps, non-stop. J'ai trouvé donc que des fringues, uniquement des fringues. Il y avait d'autres choses, j'ai pas pris. Je me suis donc dit que j'allais faire un haul découverte fringues que j'essaierai avec vous parce que je ne les ai pas essayées là-bas. Et ce qui m'a vraiment, vraiment convaincue, c'est leur concept. Peut-être que les autres boutiques font ça, mais tu les essaies, ça ne te va pas, ça ne te convient pas, tu retournes en magasin et tu es recrédité. C'est comme si tu n'avais rien payé. Donc si par exemple, là, je me rends compte que sur les 6-7 fringues, il n'y en a qu'une qui me va, je la garde et les autres, bah, je serai remboursée totalement directement avec ma carte sur mon compte. Pour l'heure, il est 13h. Eric est rentré. Je vais grignoter pour être en forme pour le tournage. Ah non, mais... non. Si, si, je mange, on ouvre les calendriers et ensuite je tourne. Alors, maman va se préparer un petit colin citron avec de la salade. Ah, attendez, je vous aurais bien. Je demande à Eric et je vais regarder déjà s'il reste du surimi. Oui, tout à fait. Je vais appeler Eric, savoir s'il veut bien. Je vous en avais parlé. Le test, voir comment il a super évolué avec le dressage. Je coupe et je l'appelle. Ah, voilà, papa. Je fais comme si je n'étais pas avec vous, ok? Je me mets là. Non. Non. Explique, ça veut dire, c'est le signal pour dire qu'il a le droit. C'était mieux la dernière fois quand même, là, il savait plus. En même temps, ça fait longtemps que tu lui as fait. Oui, mais là, mais un chien, ça s'est marqué. Le dressage, ça reste, mais là, ça marche pas. Il était en doute, il savait plus, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Oui, non, il sait pas gérer. Ouais, non, il savait pas gérer. Donc, ça sert à rien, il est en souffrance. Ouais, non. Bon, ben voilà, donc on lui donnera son petit bout de surimi, c'est tellement rare. Mon truc, il va cramer, non. Je vais me faire, bah, comme d'hab, hein, roquette mâche. Hop. Un peu de ciboulette sur lit de roquette. Allez, j'y vais. C'est le moment de l'ouverture. Ma maman, hier, elle a eu deux petits pochons de serviettes en papier super jolis pour les desserts. Et aujourd'hui, elle a eu une crème Clarins que j'avais eue.
dans une box pour le visage, crème de nuit, donc bah, c'est top. C'est parti. Attention. Qu'est-ce que c'est ? Cacharel, l'essentiel pour le corps, Amor Amor. Bon, je ne veux pas faire ma difficile, mais j'ai déjà dit que ça, les corporels parfumés, bon, pas trop mon truc. Mais ça sera glissé dans un prochain concours, certainement. J'enchaîne, numéro 17. Tadam ! Ah, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? Absolu, l'extrait élixir ultime. Lancôme. Donc, ils n'en disent pas plus. En général, ce que je fais, bah, je vais sur Internet et je vais voir un petit peu les propriétés, quand est-ce qu'il faut la mettre et tout. Ah, c'est cool ! Je me change et bah, je tourne hein, mon haut, l'essayage, après il y a le montage, donc je risque de vous reprendre un peu en différé. Voilà, donc, ça c'est pratique à enlever, en dessous c'est pareil. Le temps tourne, donc je me dépêche. Fin de tournage, ça c'est tous les trucs que je vais devoir ramener. Bah, tu te lâches mon garçon, pourquoi t'es pas venu me voir ? Hein ? T'aimes bien d'habitude. Ça, c'est tout ce qu'il faut que je jette aussi. Je me fais une petite pause pendant que ça upload. J'ai bien avancé. C'est mon jus vert, là, base de, je crois, spiruline, un truc comme ça. Et bah, c'est délicieux. C'est innocent. 17h23, je suis vraiment bien, bien dans les temps. Ça fait plaisir. Ça veut dire que ma vidéo sera en ligne. J'ai remis, hein. C'était pas comme ça. J'ai remis un peu le baume. Je l'aime bien, hein. Il a un côté rose framboise qui passe, hein. Moi qui aime pas trop les couleurs un peu flashy. Pourquoi je suis sur le point de partir ? Parce que Eric a rendez-vous à 18h, je vais l'emmener chez le docteur. Des petits contrôles comme ça. C'est l'heure après le boulot, quoi, mais bon, voilà. Et ce soir, je fais petite patate grenaille, revenue à la poêle, avec des petits. Je sais plus ce que c'est. C'est des steaks. Oh, je sais plus ce que c'est, bon, de toute façon, vous verrez tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vous disais concernant le sapin de Noël ? Quand il est éclairé, Jack se met face à lui. We wish on a Merry Christmas, we wish on a Merry Christmas, we wish on a Merry Christmas and Happy New Year. Les beaux garçons, dit-on. J'ai descendu le sac également, hein, des trois articles à retourner, mais bah, j'irai pas aujourd'hui. Hein. Par contre, je vais pas traîner, c'est une semaine, donc c'est le genre de truc, si tu oublies, ça craint quoi. Je pense que pour les patates et les steaks, ça va être trop tard. On les fera demain. Bonsoir. On est sorti de chez le médecin. Je pense que vous n'allez pas me voir des masses. Eric est parti donc à Leclerc acheter 2-3 petites bricoles qu'il voulait. Mais moi, j'ai attendu dans la voiture. Et oui, 45 minutes d'attente dans la salle. Qu'est-ce que c'était long. Ah bah le voilà. Bon, je vous laisse. Je vous retrouve à la maison. Regardez-moi ça. Il est beau comme tout. On n'avait plus de pec citron. Le waouh. Et il sent hyper bon le citron. Pour manger par contre. Un peu tard là. Pour se lancer dans des épluchages de patates. Parce que moi les patates je les fais cuire dans l'eau pendant 30 minutes. Ensuite je les fais revenir, je les coupe, je les fais revenir à la poêle. Ça prend peut-être un quart d'heure. On va laisser tomber, on va pas manger avant, je sais pas quand. Bon bah voilà. Comme je disais tout à l'heure, ça va être demain. Bon, la viande, elle va jusqu'au 22, hein, donc ça va. Vous le croyez, ça ? La télé du salon vient de tomber en panne. Donc, elle fonctionne, mais l'écran reste noir. Heureusement que j'avais la télé de ma chambre, que je n'utilise plus. Samsung, ni vu ni connu. Normalement, ça devrait marcher, là, non ? Oh, c'est cool. Je suis en angoisse, là, quand même. Menu de ce soir, moitié de pizza, mozzarella, tout classique, avec bah, le reste de mash et tout. Série, parce que télé qui remarche, putain, c'est quand même dingue ça. Je comprends pas le délire, mais bon, tant mieux, tant mieux. Et puis, bien évidemment, un Jackie qui est pas loin, on sait jamais, si maman lui donne un petit bout, mais non. Je vais clôturer, ce vlog aura été court, hein, j'ai vraiment l'impression. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. On se retrouve demain pour un tout nouveau vlog. Je vous fais un gros bisou. Et demain soir, j'ai rendez-vous. Au moment où vous regardez, je serai en train de passer, en fait. Je vais chez le gastro-entérologue. Bref,
Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Salut.